Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce premier épisode sur Starship Trooper avec le nouveau DLC Rising Hell, donc Starship Trooper Terran Commands, hein, le RTS publié par Slytherin et donc qui se dote d'un nouveau DLC, enfin d'un premier DLC d'ailleurs, qui nous permet de rajouter une campagne sur la planète Geen. Donc comme le jeu d'origine, hein, c'est du purement solo, il est par contre entièrement traduit en français, c'est du RTS. Vous savez que je suis pas très fan des RTS si vous suivez la chaîne, mais parce que souvent la plupart des RTS c'est du compétitif et moi le compétitif c'est pas trop mon truc. Mais là pour le coup, les RTS en solo comme ça, où on peut vraiment jouer stratégique face à des hordes d'ennemis, je trouve que ça a un côté assez jouissif. J'avais beaucoup aimé la campagne de base, que j'avais d'ailleurs un peu couvert sur la chaîne, mais j'avais pas eu le temps de tout faire. Et là du coup, je voulais vous montrer ce DLC. Donc il est au prix de 9,75€, j'ai pas de code promo spécifique pour celui-là, mais néanmoins, il y a quand même un 10% de réduction si vous l'achetez chez notre partenaire. Donc ça le fait à en gros 8,50€. Je le mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Donc si jamais il vous plaît, il propose des clés GOG et des clés Steam, hein. Donc le jeu est disponible sur les deux plateformes avec Slytherin. De quoi ça va parler? En gros, une nouvelle campagne donc sur la planète Geen avec des nouvelles unités, des nouveaux monstres, hein, et un nouveau scénario, bien sûr, où les forces mobiles vont devoir s'occuper de démonter quelques vilains arachnides. On va rebasculer sur le jeu, voilà, et on va pouvoir lancer directement la nouvelle campagne. Les arachnides de Geen perturbent l'acheminement du carburant vers la station Villon, une importante plaque tournante commerciale qui gravite autour de la planète. C'est parti. On va rester en difficulté normale, on va garder notre nom de base et on va se lancer. Villon Station, a major commercial hub operated by Hephaestar Corporation, orbits the planet of Gehenna. While rich in the elements that fuel galactic trade and transportation, this hellworld is an extremely hostile environment. Among streams of molten lava and volcanic ash storms, human civilization faces an even greater threat, arachnids. Villon Station Director Rhea Patel has appealed to the Sky Marshal for help, and her call has been answered. A detachment of mobile infantry has arrived to help our valued corporate ally with their bug problem. Give 'em hell, troopers! Alors, on a toujours cette sympathique petite cinématique en mode propagande qui me font toujours, toujours bien marrer. On va avoir toujours un nombre de difficultés, hein, qui va jouer, qu'on va pouvoir remplir les étoiles qui vont avec, et on a les petits objectifs. Éliminer 10 parasites avec des grenades incendiaires et éteindre tous les incendies en moins de 3 minutes. Ok. C'est parti. Alors je pense pas qu'on pourra faire tous les incendies en moins de 3 minutes parce que là on va découvrir un peu la campagne, on n'est pas forcément là pour rusher. The Great Villon Station where commerce and industry meet. They certainly sell it better on the ads. A security alert? What's happening here? Captain Zhao, I'm Director Patel. Please gather your troops and meet me in the control room. Alors, on arrive, c'est déjà la merde. On va juste baisser peut-être un petit peu les effets spéciaux et la musique, parce que mine de rien, ça tabassait un petit peu pendant la propagande. Alors, regroupons nos soldats. Ok, très bien, c'est parti, allons-y. Bipède d'ingénierie, on peut le prendre. Je m'étonnerais. On est vraiment de l'unité d'assaut de base là. Ok. Donc il faut qu'on fasse un petit tour pour découvrir la base, récupérer nos mercenaries. If they're here, why does Hephaestar Corp need us? On a des mercenaires avec des grenades à fragmentation et déchiqueteurs. Il y a l'air d'avoir une espèce de minigun. Très bien, on va mettre nos marines, enfin notre infanterie mobile, pardon, sur la touche 1. Get information. Let's go. Ah oui, effectivement, ils sont un petit peu déjà pris là. How did they get on board? Yes, sir.
On récupère les péons. Alors j'ai fait le tout début hein, de la campagne pour faire un essai, voir ce que ça donne, c'est pour ça que je sais à peu près où aller, mais j'ai pas été beaucoup plus loin. Allez, on va aller voir la directrice dans sa salle de contrôle en espérant qu'elle se fasse pas attaquer par je ne sais quoi. On a toujours ce système de ligne de vue vraiment sympa avec la possibilité d'avoir des assauts, des gens disparaissent quand ils sont en haut des escaliers ou des buts, etc. Mercenary rabble. That explains a lot. Après, si on pouvait avoir des miniguns, moi je dis pas non, hein. Move out. On the move. Affirmative. Alors, allons voir ce qu'on nous veut. Captain Zhao, you've arrived just in time. There are arachnids on your station, ma'am. I'll need to call this in to Terran Command. That won't be necessary, Captain. I have a more urgent concern right now. There are fires that have broken out. Hop là, excusez-moi, un petit crash, donc on se retrouve juste avant, il y a une sauvegarde auto là. Je fais pas tout le petit speech, on va relancer la discussion avec la directrice en espérant que le... J'ai pas de problème, alors c'est pas le jeu le problème, hein, je précise. C'est mon PC qui commence à galérer un petit peu. Donc pas d'inquiétude vis-à-vis du jeu là-dessus, il est plutôt stable. Mercenary rabble, that explains a lot. Allez, on va aller voir de nouveau qu'est-ce qu'on nous veut. Donc elle est en train de nous expliquer que il y avait des incendies dans les sous-sols et que visiblement ces mercenaires ne sont pas à la hauteur. Captain Zhao, you've arrived just in time. There are arachnids on your station, ma'am. I'll need to call this in to Terran Command. That won't be necessary, Captain. I have a more urgent concern right now. There are fires that have broken out on the maintenance levels. I was reliably informed that you would be up to any task thrown at you, Captain. That is what the mobile infantry does, is it not? It is. Good. I have a firefighter crew on standby. They'll handle the flames. I need you to keep them protected. Ok, on va avoir accès à des pompiers. Pourquoi pas. Après tout, on est à Surgaen, hein, donc le feu va avoir potentiellement tout un impact spécifique. Et on va envoyer bien sûr nos marines devant, par contre, en mode attaque, tant qu'à faire. Alors je pense pas qu'ils soient plus offensifs que ça, les pompiers. Ah non. Calmez-vous, approchez-vous pas trop. Éteignons les incendies avec nos pompiers. Hop, ensuite c'est vous qui vous tapez le virage. Ils sont pas capables d'attaquer, enfin en tout cas ils avançaient sans attaquer à première vue. Hey fellas, open this door for us. We'll handle whatever's in there. Hmm. Coucou. Get out of there. Ah, c'est des trucs qui attaquent à distance. We got this. Les piqueurs. Ok, alors du coup, on va avancer jusqu'ici. Alors, faut faire attention toujours à notre ligne de vue hein, quand on a certains mecs qui ne peuvent pas taper. On a découvert les piqueurs, un petit parasite fragile qui lance des projectiles enflammés. S'ils sont peut-être pas bien redoutables individuellement, ils se déplacent souvent en groupe, surtout dans les environs de leur nid vertigineux. Ils peuvent escalader les murs et ils peuvent naître depuis les nids de piqueurs. Ils sont assez faibles, ils ont une portée moyenne. Ok.
prendre le contrôle de la porte. Alors attention à ce qu'elle s'ouvre pas et qu'on ait un rush d'ennemis. Non, c'est bon. Éliminons les arachnides des niveaux inférieurs. C'est parti. Il va y en avoir qui vont sortir là, très probablement. Même pas. On va se mettre en haut là. Peut-être que les pompiers sont efficaces, mais ils ont pas l'air d'attaquer donc. Alors là-bas il y a des vents. Non, c'est une porte. Oh, allez, scout quand même au cas où elle s'ouvrirait pas tout de suite maintenant. Nickel, demi-tour. Les pompiers peuvent progresser également. Ok, on a un incendie. Les gars, en avant. Ah, et derrière on a des ingés. Parfait. Non, on est d'accord, y'a rien. Non. Donc on récupère nos petits ingés de combat. On va les mettre en 2 et du coup on va mettre les pompiers en 3. Demi-tour. Visiblement ils sont toujours affectés par les flammes même s'ils font des tirs enflammés. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bugs. Oula. What's going on here? Keep walking, Fedman. You didn't see this. What? Pacified arachnids? What are they doing down here? Oula. I want answers. But right now, this station's safety is our priority. Les mercenaires qui pacifient des arachnides. Voilà qui est intéressant. Engineers here. Progress report. We're fighting the fires and the bugs. They turned the room ahead into a bit of an inferno. I'm sending you another team of firefighters. Make sure they stay protected. Bah meuf, peut-être que si tu m'en disais plus, on s'en sortirait mieux. Alors, pompier, hop. Vous, c'est pareil, avancez. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? More bugs coming out of the vents. Engineers here. Barbecue bugs. Putain de guerriers. Il y en a qui vont certainement sortir par là. Ils descendent par ici là, sérieusement. Venez vous mettre à l'abri ici. Ok, on va progresser un peu, vous par là. Et plutôt éteindre ça du coup vous. C'est ici que ça gueule hein. En attendant on va aller éteindre là-bas. Les lance-flammes font le taf là. Grouillez-vous. Oula, vous êtes un peu avancé là. Les pompiers. Par ici. Allez, éteignez-moi ça. Ok, ça va sortir là-bas. Les ingés de combat par ici, les pompiers vous reculez. Vous prenez la hauteur. On a tout éteint, ça va être là-bas.
temperature levels are still high in the waste processing center. You want us to help you deal with burning garbage? What about your mercenaries? Troopers! The Sky Marshal ordered you to fully cooperate, Captain. Please do so. Understood, ma'am. Ok, un ascenseur. On peut avancer. Get your gear. We're moving out. Comme de bien entendu, hein, il y a une différence entre ce que dit la propagande et. How the mobile infantry gets the job done. Et le reste. My people can barely breathe in here. That level is directly above our nuclear reactor. If fire damages the cooling system. An explosion. Releasing enough radiation to render this station uninhabitable. So please, hurry, Captain. Parfait. Ah, ça doit être là qu'on a le 3 minutes. Très bien. En avant. They're nesting in those machines. Our waste incinerators. They must be attracted to the heat. You have my permission to destroy the machines if necessary, Captain. Est-ce qu'ils peuvent le détruire, ça? Non. We don't need permission to kill bugs. Engineers, roger that. Affirmative. Come on, people. Careful. Bugs could be hiding in this smoke. Venez par là, vous. Ah oui, effectivement, ils sont. Ils se cachent dans les ombres. Pour l'instant, on n'a pas d'incendie à éteindre. S'il y en a là-bas, ok, très bien. Allez, grouillez-vous, vous. Toi, tu t'occupes de celui-là. Quelque chose qui nous tirait dessus là. Ouais. Les pompiers, progressez par là. Les ingés, progressez par là. Ils se cachent dans la fumée, les enfoirés. Hein. Effectivement. Est-ce que ça va te porter là? Pas vraiment, on dirait. Ici, vous, ici, les pompiers vont nous éliminer ça rapidement. Les barils explosifs là, on va peut-être se détendre. Alors, un pompier là-bas. Un pompier là. Vous êtes pas obligé de rester dans les flammes peut-être. Oh, les coupettes. Sérieux quoi. Les mecs qui restent dans les flammes, sans déconner. Cramez-les. Ok, faut peut-être qu'on reste un petit peu groupés parce que ils sont bien planqués dans la fumée, ces saloperies. Et en plus, nos mecs sont un peu cons, visiblement. Non mais avancez pas dans les flammes, bande de débiles. Aïe aïe aïe. Allez, on se met à portée. On crame tout ça. Eux ils sont capables de marcher dans les flammes sans danger du coup. Il faut prendre l'angle là. C'est pareil, avancez. Vous avancez là, vous allez m'éteindre ça. Ok, on a réussi. Cool. Thank you, Captain. You and your people are to report to the cargo bay. Yes, ma'am. Alors, il y a un ascenseur ici. Très bien, beau travail les gars, vous en avez un peu chié, mais ça c'est fait. J'espère qu'il n'y a pas de bugs dans l'ascenseur. Ok, ça passe. Ça sent l'arnaque. Je sais pas pourquoi, mais ça sent l'arnaque.
beaucoup trop de monde là. The station's secure again. You can continue your deployment to Gehenna. I saw bugs under the control of your mercenaries. What exactly are you people doing here? Did the Sky Marshal brief you on any classified operations being conducted here, Captain? No, ma'am. Then that's because he decided you don't need to know. You're here to follow my orders and kill bugs. Understood? Yes, ma'am. Troopers, gear up and board your boats. We're going down to the surface. Ah oui, là on était même pas, on était vraiment dans la station, dans l'espace quoi, même pas. Ok, très récent. Bon alors ça on pouvait pas le faire, on avait pas de grenade incendiaire ou alors j'ai pas vu. Industrial expansion on planet Gehenna is guided by scientific expeditions into the hellish landscape. These undertakings to collect samples from the volcanic soil are under constant arachnid threat. But now, the mobile infantry has commenced operations on the planet and will safeguard its people. Tout un programme. Éliminer 20 piqueurs avec la capacité de barrage de fusil à pompe. Ok, éliminer 2 nids de piqueurs avec la capacité de charge explosive des ingénieurs. Ok, c'est parti. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder s'ils avaient leurs compétences spéciales une fois qu'on était parti en combat. Gehenna. Another old name for hell. Guess they didn't just pick it at random. What's our mission here? We're drilling core samples to locate sites for new mining facilities. Clear and defend designated areas until a sample is collected. What level of resistance can we expect? We have reports of intense arachnid activity in the area, so keep an eye out. And good luck, Captain. Ok, on va arrêter ce premier épisode là. On a fait la première mission, on fera la deuxième mission dans le deuxième épisode, bien sûr. J'espère que ça vous a plu, ça doit faire des épisodes assez courts. Hein. On va voir combien de temps ça dure. Normalement, il y a au moins 7 nouvelles missions, donc on verra si je dois ajuster. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Comme je vous le disais, si vous vous êtes intéressé par le jeu, il y a un petit code avec une réduction qui soutient la chaîne au passage dans la description. Merci à toutes et à toutes, et à très vite pour la suite.